Le forum des femmes entrepreneurs du Tchad se déroule depuis ce matin à la Maison de la Femme à N'Djamena. C'est une initiative de l'organisation Nirvana pour la promotion de la femme. Prennent part à ce forum qui vise à booster l'entrepreneuriat, les femmes entrepreneurs du secteur formel et informel. La première dame, Hindadé Bitno, a été représentée à la cérémonie d'ouverture de ce forum par la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Alingué. Amanissa Gazina. Entrepreneuriat des femmes pour une économie concurrentielle au Tchad. C'est le thème principal de cette première édition du Forum des femmes entrepreneurs du Tchad. De l'avis de la présidente de l'organisation Nirvana, Amalker Djibrin Souleyman, l'entrepreneuriat est un moyen important de créer des emplois en vue d'améliorer les conditions de vie et d'indépendance économique des jeunes et des femmes dans le monde. Notre objectif par rapport à ce forum, c'est catégoriser les différentes femmes qui interviennent dans différents secteurs et trouver un moyen de les aider techniquement et financièrement grâce à nos partenaires. Se félicitant de la mobilisation des femmes, Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement représentant la première dame à ce forum, a vanté le mérite de la femme tchadienne et invite les participantes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui représente un pas significatif en avant pour que les femmes tchadiennes, dans la lutte pour l'inclusion et la participation de l'inclusion et de la participation au développement socio-économique de notre pays. Vecteur de vie, de l'éducation de nos peuples, médiatrice sociale, vous êtes le pilier du développement de notre pays. Aussi, au nom de la Première Dame, je suis très fière de vous retrouver sous le signe du savoir-faire féminin, sous le signe de l'entrepreneuriat féminin. Une attention des plus accrues des pouvoirs publics, des organisations internationales, s'est tournée vers les femmes. Parce que génératrices de revenus, d'abord, nous pouvons être élevées à un niveau d'entrepreneur. Durant 3 jours, plusieurs thèmes seront débattus à ce forum. Il s'agit de l'engagement des femmes dans l'entrepreneuriat, les opportunités, les défis et l'accès au crédit de financement. Créée en 2014, l'organisation Nirvana est une initiative des jeunes leaders venant de plusieurs pays africains pour contribuer au développement du continent.